Ordinateur de vortex, ok. Comment le seigneur du temps a-t-il pu traverser la route? Par de simples opérations d'ingénierie temporelle réalisées grâce à une déchirure dans la toile du continuum espace-temps. Bonne chance. Vous en aurez besoin. Bon, allez. Direction le transporteur temporel. Allez. On saute. Ah, carrément sur les tuyaux. Allez, droit devant. Et Geronimo. Ah. Appuyez sur eux. Londres, 1880. Comment ces choses peuvent-elles s'ouvrir et se refermer toutes seules? Une usine de textile, comme les temps changent. Probablement bombardée pendant la guerre, jamais pu grandir et être reconvertie en appartement de luxe, remplacée par un bloc de béton rempli de bureaux. Ah, je devrais pouvoir utiliser le tournevis pour déplacer cette nacelle. Alors, commande à distance du tournevis sonique. Scanner les objets avec le tournevis, ouais. Maintenez la souris pour prendre le contrôle de l'objet. Utilisez les touches directionnelles et le joystick gauche pour déplacer les objets vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas. Ah, comme ça, carrément. Stylé, on peut faire plein de trucs en fait. Et qu'est-ce que je vais faire avec cette caisse? Ah, y'a un trou par là en fait. Je viens de voir. On va essayer de la faire tomber. On va voir, faut la faire tomber de haut, mais. Ah, peut-être qu'on peut. Je vais essayer un truc. Je crois qu'en fait, j'ai compris, c'est tout simple. Stop. Non. Avance au milieu. Voilà. Descends. Et voilà. Bon. Bon, moi maintenant je comprends assez vite. Hein. C'est pas comme la dernière fois où j'ai galéré à trouver la solution. Voilà. Par contre, est-ce qu'il faut l'emmener vers là? Il y a un mur, ouais. Peut-être là-haut. Je sais pas si on peut la monter encore. Est-ce que je peux grimper là-haut? Ah ok, non, je crois que j'ai compris en fait, il faut aller l'amener. Faut l'emmener justement pour qu'on puisse grimper sur l'échelle rouge en haut. Allez, voilà. Bon, ça va, c'est déjà beaucoup plus rapide que la dernière fois. Contre le chapitre, je sais pas si on est déjà à la fin du chapitre, hein, je crois pas. Il est assez long. Mais bon, ça fera des épisodes en plus. Allez, saute et voilà. Pas très dur. Peut-être glisser le long du tuyau. J'aime bien glisser. Oh, Londres. Putain, ouais, la pollution. Londres. Ces 4 mois à cueillir des noix de coco à Antigua Beta m'auront bien servi. Je dois trouver un moyen de descendre, mais je ne vois aucun passage ici. Bon, des succès en plus, hein, parfait. Heureusement que j'ai trouvé aussi encore le journal de l'autre côté. Où est-ce qu'il faut aller là? Peut-être là, le tournevis, je vais essayer. Voilà. Quand rien ne va plus, toujours le tournevis. Alors bon, on avance, hein, encore une porte à débloquer. Voilà. On peut prendre le contrôle de quelque chose là? Non. Parce que j'ai vu qu'il y avait un trou justement. Ouais. Ah, un journal par là. On va essayer de l'avoir. Bon, comme j'ai dit, les journaux, je vais pas tout de suite tous les regarder. Pas mal pour un bureau. Ouh, j'adore le porte-manteau. Des chapeaux. Apparemment, il y avait un chapeau planqué, j'ai même pas vu. Bon, on va vite faire un petit peu le regarder du coup. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ça manque un peu d'allure, non? Ça me rappelle rien ce chapeau. Bon, une autre nacelle. C'est pas grave. Ah, c'est parfait. Il y a une caisse.
Bon. J'aurais fini, j'aurais des bras comme ceux du corset. Voilà, bon. Ensuite. Voilà. Non, ça ne marchera pas. Ah, mince. C'est-à-dire je peux pas avoir... À moins que... J'ai peut-être une idée. On va essayer de sauter dessus à partir d'ici. Voilà. Vous voulez plus lâcher. Et voilà. Pas très compliqué. Encore un journal de plus. Maintenant on va prendre ça, on va le tirer. Bon, je verrai si je fais une petite ellipse à partir d'ici ou si l'épisode sera coupé en deux parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il dure. Mais bon, pour le moment, moi je continue encore de filmer. On verra bien de toute façon sur une ellipse. C'est assez lent aussi. Je sais pas où faut l'amener. On va déjà rester là. Allez, on va monter. Je vais tenter quelque chose. Je suis pas sûr exactement de ce qu'il faut faire pour le moment. Faut que je descende, bon. Je viens de faire un petit détour là pour rien. Non, non, je suis dessus. Ah. Non, ça ne marchera pas. Allez. Voilà. C'est bien. C'est bien, je peux aussi le contrôler à partir d'ici. Et là, ça descend. Voilà. Pas trop compliqué. Faut juste quand même le voir. Allez. Voilà. Bon, là, ça devrait être bon. On va pousser la caisse pour pouvoir monter de nouveau sur l'échelle. Ouais, pour un jeu de plateforme, je trouve. Waouh! Quand même déjà des petites références à l'univers Doctor Who, un bon jeu de plateforme aussi, d'énigmes, ça relie pas mal de trucs. Allez, voilà. Graphiquement, bon, ça va, il est pas mal non plus. Ah, je peux pas monter plus haut. Wow. Qu'est-ce que c'est ? Des bruits de pas précipités ? C'est pas bon signe ça. Ça l'est assez rarement. Ah, merci, cher tuyau. Moi, je descends sur le tuyau. On peut rentrer encore dans les égouts. Comme prévu, ils n'ont pas encore terminé la construction. Un autre couloir inactif. Je veux pas tout de suite rentrer. Laisse-moi 2 minutes. Non, 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 ah. Pas le temps de prendre un verre. J'aimerais bien, vraiment, mais je dois filer. Carrément un bar. J'ai bien fait quand même de ressortir parce qu'il y avait un petit journal. Sinon je l'aurais loupé, je sais pas si j'aurais pu revenir ici, je pense que oui. On explore tout. Trouver le chemin à travers le site, ouais. Sera le plus grand réseau ferroviaire souterrain du monde. Changer les plans du réseau de gaz. Prennent les choses en main, en commençant par les travaux d'ingénierie. Voilà les plans. Ok. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Ah. Oui, bien voir. Un chapeau de plus. On le regarde juste après, je veux juste voir d'abord ce qu'il y a en haut. C'est peut-être la sortie par contre. Ah, quoique. Si, ouais, c'est... on est dehors. Ce couloir temporel arrive au bon moment. Peut-être même un peu trop. Alors, il n'y a rien par là, on va regarder juste de l'autre côté. Et on peut pas y aller. Ok, on va descendre du coup. Avant ça, on va regarder un petit peu le chapeau, hein, comme d'hab. On regarde tout le chapeau. Tiens, nouveau. Ça me sera utile à mon prochain voyage sur Chloris. On aurait le chapeau d'Indiana Jones, je suis pas sûr. Allez, oui, bon. Comment jouer ça, je sais. C'est quoi ça? On va regarder de nouveau. Carte mentale, ouais. Faites pivoter les anneaux. Aligner les images, ouais. On va quitter le tutoriel. C'est pas ça. Ah non, c'est avec, avec le stick, j'avais oublié. Alors.
Ah voilà, je trouvais déjà le premier sens. Cela, ça m'a l'air faux. Là, c'est bon. Les deux premiers sont bons. Le troisième. Voilà. Ah bah j'ai réussi. C'est parfait. Mais d'où viennent ces couloirs? Je ne sais pas. Retourner au présent, bon. On a changé les plans, super. J'espère qu'il n'y aura pas de trop grosses coïncidences ou changements aussi dans le futur. Vraiment, juste ça va juste changer la tuyauterie, donc ça devrait pas changer grand chose. Allez, on retourne dans le présent. Qu'est-ce qui nous y attend? Rendez-vous et préparez-vous à être amélioré. Ils ont déclenché les alarmes. C'est bientôt la fermeture générale. Je dois atteindre le poste de sécurité. Mais comment m'y rendre? Bon, je n'ai qu'à garder ces reluisants messieurs occupés. Je vais les envoyer dans une cyberchasse au Dahu dans les bureaux. Hé, les garçons, par ici! Appuyez sur viser pour sortir le pistolet. Utilisez la souris ou le joystick pour viser. Appuyez sur pour tirer avec le pistolet. Maintenez pour charger le pistolet et lâchez un tir concentré. Un tir concentré décharge temporairement le pistolet. Tous les humains qui refusent l'amélioration seront effacés. Stylé. Oh, je peux peut-être casser les vitres du coup. Ouais, allez. On récupère le chapeau. On va faire un petit tir chargé là. Bam. Vite, on part. Wow. Ah ouais. Mais on monte. Faut qu'on aille au poste de surveillance. J'ai récupéré le chapeau de journal. D'ailleurs, on va tout de suite regarder le chapeau, comme d'hab. Alors, où est-ce qu'il est? Celui-là, il est là. Avec un haut vent. Et quoi encore? On va des données du super commandant. Alors, on va commencer par là. Voilà. Oh, il y a encore un truc. C'était quoi? Je crois que c'était un journal. Puis on verra bien plus tard. Ah ouais. Bon, maintenant je sais comment ça marche. Allez, voilà. 1 sur 2. Et 2 sur 2, voilà. Une console sur 2 active, on va activer la deuxième du coup. Moi maintenant je sais comment ça va, c'est super. On va pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Et voilà, encore une. Ah par contre celle-là elle est déjà plus loin. Je sais pas comment je vais faire. Et ben voilà. Hacker, ouais. Faut que j'aille où maintenant? Apparemment la porte s'est ouverte, on va essayer de sortir. Peut-être ce qu'il faut faire. On va essayer de se dépêcher avant que les Supermen aussi montent tout en haut. Parce que je vois qu'ils gagnent du terrain. Ah, le prépa va être amélioré, ouais. Te voilà. Léger problème, les bureaux grouillent de Cybermen. Au moins ils sont sortis du vaisseau. Suivez-moi. Nous devons atteindre le toit du chantier. Alors, normalement, ils avaient dit qu'il fallait passer par là. Et admirer cette route complètement intacte. Allez. On va appeler l'ascenseur. Je sais pas si y a un petit timer ou pas. On a. Moi, je croyais qu'on avait encore le pistolet. Ok, c'est l'image qui bug en fait un peu. Tous les citoyens doivent évacuer immédiatement. Je laisse écouter un peu la musique. Il n'y avait pas de chapeau de l'autre côté, mais il y en a un là. Vous serez effacé. Il faut qu'on trouve le point faible. Un
simple tir de tournevis. Allez. Où est-ce qu'elle va arriver? On sait bien, l'ordinateur n'est pas complètement stupide non plus, il arrive à bien remonter. C'est déjà une bonne chose parce que sinon on serait été dans la merde. Hein. Je raconte pas le temps qu'on perdrait. Je pense que l'épisode sera sûrement coupé en deux là, ce sera sûrement l'épisode 3. Parce que normalement ça fait quand même 40 minutes. Abandonné comme ça, ils ont dû enlever le grutier en plein travail. Est-ce que la clé pourrait encore y être? Est-ce qu'il n'y a pas un chapeau par là, non? Allez, super la musique. Ok. Tant que je trouve comment... Ouh, un chapeau. Attends. Il me le faut. Ah merde. Heureusement qu'on n'a pas un timer, parce que là... Allez, voilà. Pour toute assistance, parlez à un officier de l'unité près des barricades. Composez le 8648 et demandez à la part. Et voilà. Un chapeau en plus. Alors, les chapeaux du docteur, encore un. Ces gars avec qui je traînais à New York. Le cowboy avait beaucoup d'humour. Ah, si on en avait en fait reçu un autre dans la salle. Un de mes préférés. Classique parmi les classiques. Regarde si on n'a pas d'autres, non. Et on a quand même 40. Hein. Et par là on fait quoi? On saute? Je ne crois pas. Elle est où la grue? Où est la grue? On a perdu la grue. On a perdu la grue, ok. Je crois que j'ai fait bugger le jeu. Voir c'est normal. On va essayer de regarder. Par là, est-ce qu'on va pas quelque chose? Non. Peut-être redescendre. On va essayer de redescendre hein, pour voir. Alors par là y a rien, on peut même pas y aller. J'ai fait bugger la grue. Mais alors là. Non, vraiment il n'y a rien en bas. On va remonter du coup. Moi vous écoutez la musique hein. Je trouve elle est stylée aussi. J'espère que j'aurai pas le problème de 3 d'auteur. Parce que j'aurai un peu les nerfs. D'ailleurs, j'ai toujours pas posté le premier épisode. Hein. No Time to Explain n'est toujours pas fini. Ah, la grue n'est plus là. Mais... Ah bah. Parfait. Faut quand même prendre le contrôle. Ah, par contre. Avant, faut que je remonte. Vu qu'on va prendre un peu de temps, ce sera peut-être ellipsé, ça, on verra. Ouais. Ah, non, 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 bon, petite ellipse, hein. Bon, voilà, de retour, j'ai ça. Allez, je fais une petite ellipse pour ne pas vous faire perdre trop de temps non plus. Bon, c'est vrai qu'à force de répéter les trucs, c'est assez chiant. Est-ce qu'il n'y a pas un chapeau par ici? Ah, parfait. Encore un chapeau, comme d'hab, on va regarder. Où est-ce qu'il peut être? Il est là. J'aimerais certainement à protéger ma pauvre tête dans le TARDIS. Un chapeau de voiture de course. Retirez-vous à distance de sécurité et écoutez les instructions. On peut pas contrôler ça, non. Pas sauter non plus. Où est-ce qu'il faut aller maintenant? Franchement, énorme les musiques. Là on entend les Cybermen, mais où est-ce qu'il faut aller? Parce qu'ils nous l'ont pas dit en fait.
Parce que je peux peut-être encore prendre la poutre. Non. Je peux plus rien en faire. Et justement, ils ont dit de monter sur le toit. Bon, on va continuer alors. Peut-être une commande que j'ai loupée quelque part. Alors bon. On va essayer de reprendre le contrôle de ça. Bon voilà. Un deuxième, ouais. Alors, voilà. Parfait, bon. On est débloqué. Franchement, très long ce chapitre, hein. 3 épisodes. Tous les humains qui refusent l'amélioration seront effacés. Allez. C'est le toit pour contourner les Cybermen, c'est fait. Waouh. Infiltrer la cyber-usine. Vous serez amélioré. Alors, crochetage tournevis sonique avancé. Scanner la porte avec le tournevis sonique, ouais, tu sais les touches directionnelles. Faire correspondre. Bah, c'est le même truc, non? Waouh. Ok, en fait, on peut descendre plus bas ou plus haut. Ce qui offre aussi pas mal de possibilités, je trouve. Bon. Allez. On va essayer de se concentrer pour faire un bon truc. Allez. Ah, pas évident celui-là. Un peu plus haut. Ah, pas évident en fait. Hein. Allez, du coup, en plus, j'ai loupé. Allez, voilà, lui on y est. Allez. C'est des petits éclats d'obus, j'ai l'impression qu'on entend. Mais c'est soit trop bas en fait. On peut même changer un peu là. Bon, petit tip ce temps que je trouve. Bon, j'ai trouvé, super. C'était pas trop compliqué en fait, fallait juste tourner vers la gauche. Je déteste ces endroits, si froid, si cruel. 9e cyber légion. On est dans la cyber usine. Je suis pas bon là. Je m'étonne. What? Voilà. Oh, en fait, ça devient déjà beaucoup plus compliqué maintenant. Les signaux, faut le calibrer. Waouh. Cyberstockage par centaines. Nous devons. Bah, prends-moi, je... Allons-y. On entre au centre du vaisseau. Le signal de contrôle du cyberplanificateur y est plus fort. Apparemment, j'ai quand même encore le pistolet. Je sais pas si c'est un bug d'affichage ou pas. La porte est scellée thermoioniquement. Elle doit être contrôlée par un panneau de contrôle à double commande. Nous devons nous séparer pour pouvoir atteindre l'autre côté. Des conduits thermoioniques. Ah ouais. Un tir ou un petit coup de tournevis sonique et c'est dans la poche. On pourra s'en servir pour monter. Je n'ai pas ouais, de poche. Ouais, franchement. Alors où tu ranges ton tournevis? Dans ma future poche. Où est la logique? C'est une blague de seigneur du temps. Dans ma future poche. Pourquoi ça marche pas? Activer les consoles thermiques, ok. En fait, c'est ça, ils avaient dit. Voilà. Où tu ranges le tournevis? Dans ma future poche. Waouh. Des cybermates. Oh, peut-être qu'ils ont connu Monsieur Moller. Je devrais garder mes distances. Le choc électrique est très désagréable. Ok, ça c'est pour se protéger. Waouh. Non, remonte. Toujours pas utiliser ça, ouais. Là, on peut pas monter plus haut, non? Ah, ok. Fallait que je débloque en fait. Pff,
pas évident en fait ces trucs maintenant. Voilà. Je peux encore monter plus haut. On se cache. Ah ouais, je prends cher. Plein de trucs. Moi, je serais bien d'avis de monter. Voir ce qui se cache là-haut. Peut-être un chapeau, qui sait. Et voilà, hein. Et je suis presque mort. Juste regarder le chapeau, du coup, en attendant. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Là. Je suis un romain. Ouais, un chapeau romain. On va attendre que le bidule là, il parte. Oh, saute. Ouah. Wow. Allez. Faire gaffe. Voilà une partie de la double commande. On va devoir les activer en même temps. Comment jouer? Vite. Alors, remplissez la jauge d'énergie avec l'énergie bleue tout en bloquant la rouge. Pour bloquer les rouges, ouais, laissez passer les bleus. Appuyez sur la gauche ou droite, faisait un portail, appuyez sur le pied ou espace pour ouvrir ou fermer. L'énergie rouge fera baisser votre niveau d'énergie globale et pour et plus d'ouvrir une porte fermée. Ok. Ça va, c'est pas trop compliqué. Mais je pense qu'en mode difficile, ça doit être super chaud. Voilà. Allez, maintenant contrôle reverse. Est-ce qu'on peut monter ou descendre? Ah parfait, on n'a pas besoin d'utiliser le tournevis. Petit coup de fusil, ça passe. Ah, en plus on peut les tuer. Mais c'est excellent ça. Allez, on s'accroupit. Ce vaisseau est plein de Cybermen. Depuis combien de temps est-il là? Fuis, vite. C'est un de ces bruits, on dirait un chien mort. Vite, accroupis-toi, barre-toi. Ah, je flippe. Je prends cher. C'est bon, on dirait un chien qu'on égorge. Oh, tellement flippant. Bon allez, là c'est bon, on est en sécurité pour le moment. Alors, là, on sait comment ça va. Bleu, on laisse passer. Rouge, on laisse pas passer. Ah, je suis mince. Allez, et voilà. La chambre des opérations du cyber planificateur. Effacer. J'active la porte. Effacer. Wow, bon. C'est quand même pas mal de temps que je tourne. Escadre détaché. Calcul de l'efficacité de traitement. Désactivé. Progression de l'intrusivité. Poursuite du traitement. Wow. Qu'on se dépêche. Et d'où les les unités de stockage aussi. Courez. Je suis prêt. Ouais. Comment ça va de votre côté? Ah, pour faire encore un truc comme ça. 3179 humains améliorés. Poursuite du traitement.
Et voilà. Lego. 8. Arriver par aussi de l'autre côté. Ça doit être énorme en coop ce jeu. Ah, on joue ça en plus encore. Efficacité du cœur en augmentation. 8, 8. C'est tellement chiant ça. Alors quand t'es river, c'est beaucoup plus simple. Dépêche-toi. C'est tellement chiant. Bon, je pense qu'il n'y a plus rien en haut. Allez. Déjà là, contre les Supermen, on... Réanimation de l'escadre. Efficacité de traitement compromise. Calcul en cours. Calcul en cours. On va morfler. Ouais, déjà... Il faut dégarpir. Comme je disais, déjà contre les Supermen, on galère. Mais alors contre les Daleks, je vous raconte pas comme ça va être pire. C'est quoi ça? Encore un nouveau jeu? Le cœur thermoionique fonctionne à une efficacité de 96%. Alors, utilise touche directionnelle ou le joystick gauche pour transférer les unités d'énergie bleue vers le cœur. Ok, faut transférer les bleus vers le cœur, et comment on fait? Alors, naviguer à travers les rails alimentés, éviter les drones défensifs rouges. Énergiser toutes les sections du cœur pour la surcharge. What? Oh merde, je suis mort. Mais j'ai même pas compris ce qu'il fallait faire. Waouh. Quoi, on a nouveau le pont à activer. Ils sont pas sérieux là. Bon. C'est facile, mais bon. 3179 humains améliorés. Poursuite. Allez. Dépêche-toi. Mais c'est trop chaud le truc. Allez, voilà. Waouh, mais ça va être trop chaud ça. En fait, quand je vais tourner qu'un épisode, j'en ai tourné deux là aujourd'hui. Peut-être même trois si jamais je m'arrête. Parce que là, pour moi, je suis à 40 minutes de tournage. Et sachant que j'ai fait une coupure, c'est trop chaud. Vite! Allez. Voilà, monte. Dommage qu'on peut pas désactiver le pont. Même là, les Cybermen se réveillent, mais c'est trop chaud. On peut pas accélérer ça. Il se réveille. Il faut dégarpir. What? Mais c'est trop chaud, on n'a pas le temps là. Qu'est-ce que tu veux faire ici? Le cœur thermoionique fonctionne à une efficacité. What? Qu'est-ce qu'il faut déplacer en fait? Je sais même pas moi. Recalibré. Ouais, mais c'est où les trucs bleus? Ah, y'a des billes bleues normalement qui arrivent. Ah, ok, je la vois. Oh, c'est chaud en fait. Oh, c'était chaud là. Ça doit être en mode hard. Ça peut faire de bonnes vidéos ça aussi. Bon, encore un truc. Ça va, c'est assez simple. Faut juste que ça se déplace, que ça se dépêche par contre. Ah, dégoûté. Allez. Celui-là c'est bon. Voilà, vite. Faut qu'on se dépêche. Cyberplanificateur, là. Le cœur du vaisseau. Le cœur du vaisseau transmet de l'énergie thermoionique à travers l'usine. Si nous atteignons les commandes en haut et en bas du cœur, nous pouvons le surcharger et détruire le cyberplanificateur et son vaisseau. Tu n'aurais pas oublié quelque chose? Fort probablement. La distraction est une forme d'art. Les Cybermen, les Cybermates, sans compter tous les autres cybertrucs en chemin. Oh, allez, River, ce sera un jeu d'enfant. Qu'est-ce que c'est, là-haut, avec le cyberplanificateur? Je l'ignore, mais sa signature temporelle est énorme. Que font les Cybermen avec une chose pareille? Nous devons rejoindre ce truc et découvrir ce que c'est. Ça émet de gigantesques fluctuations temporelles. Une espèce de champ de distorsion. Non, pas un champ, un rayon.
Les intrus se sont infiltrés dans le cœur central. Ça va être chaud. Assigner toutes les ressources à l'effacement des intrus. Effacer. Ah, un journal, parfait. Effacer. Bah pour moi, on n'est plus limité par le temps, c'est bien. On peut rentrer là ? Rien n'a signalé dans le secteur. Continuez la patrouille. Rien c'est pour se planquer carrément. Dans le secteur. Continuez la patrouille. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas ? Il y a un Cyberman. Vous allez être effacés. Défendez le cœur thermoionique. Défendez la. Je suis sûr, il y a un chapeau par là aussi. Trouvez et effacez tous les intrus. Apparemment, non. Peut-être à l'étage d'en bas. Je sais pas s'il faut monter ou descendre. Ah, il y en a un là. Ça va être chaud. Alors, où est-ce qu'il faudrait passer ? Ben, par là. Où est-ce qu'il faudrait passer ? Ben, c'est bidon. Allez, un chapeau de plus pour une fois. Je vais pas le regarder. Téléchargement des données terminé. Analyse en cours. Je pense que c'est plus prudent pour moi de passer par là-haut. On va attendre que le bidule là il parte. Allez, part. On va passer par là-haut. Aucun ennemi détecté. On se dépêche. Pas grave, on a perdu un peu de vie. Peut-être faut aller où, je sais même pas. Je suis sur le bon chemin là au moins. Pour moi, il y a même plusieurs chemins. Je sais pas si j'ai loupé des trucs, j'espère pas. Ah, ok. J'ai reçu un journal. Ah, m'a vu. Plein de fumée là. Je sais pas si ça annonce du bien ou du mal. Même là, apparemment, on s'est encore loupé, mais bon, faut aller où? Ok, je vois un trou par là-bas. On s'est loupé de chemin. Comment on remonte? Ok, c'est bon. J'ai trouvé. Alors bon. On va essayer de faire. On va essayer de terminer là, vite fait ce chapitre. Ok, c'est bon. J'espère qu'il va vite se terminer parce que là je suis à un long moment de tournage. Bon, allez. Voilà. Ah. On perd beaucoup de vie, mais bon. Je pense que la main sera bientôt finie. Voilà. Dépêche-toi. Allez, on y est presque. Nous devons continuer à avancer pour atteindre les commandes. Source d'énergie menacée. Les intrus ne doivent pas atteindre la source d'énergie. On va attendre derrière eux. Il va calmement. On a encore le temps. Peut-être juste regarder quand même de l'autre côté s'il n'y a pas un truc planqué. Oh, j'ai regagné ma vie, parfait. Mais je crois pas, la manque à côté. Non, c'est là d'où je viens. Alors, ah, ça. En fait, c'est bidon. Ah, presque. Dégoûté. Mais c'est pas trop dur en fait. De 1. Parfait, allez. Le dernier. On va essayer de se dépêcher parce que je sais pas où sont les Cybermen. Parfait. Ah. Maintenant on est avec River. Donc où est-ce qu'il faut aller? Peut-être vers le haut. Envoie tes données au cybercommandement. En fait, je sais pas, ils expliquent rien là pour le moment. On va chercher un petit peu. Je crois pas qu'on va faire le tour. Rien à signaler dans le secteur. Ça m'étonnerait qu'il faut redescendre aussi. Moins que. Le verrouillé, ouvrez le feu. Cours. Allez, voilà. Waouh.
aucun humanoïde détecté. C'était chaud. Mais que c'est chaud! Ça fait un de ces cris! Oh. J'ai arrêté de leur tirer dessus là! Bon. Allez, on va essayer de se grouiller. Je perds beaucoup de vie. Vite! Ouah, c'est chaud! Bon, on est dans la merde. Bon, petite ellipse, tant que j'arrive de nouveau au milieu, parce que là, faut que je monte. Et merde, je me suis fait tuer. Ah, j'espère que je vais pas reprendre nouveau super loin. Parfait. Bon, petite ellipse, du coup, tant que j'arrive au point final. En fait, j'ai trouvé où fallait aller. Il y avait juste un tuyau. Je venais juste arrêter, là, je vois où faut aller. Ah, moins que. Ah non, en fait, là je fais juste demi-tour. Donc, à tout de suite, tant que j'arrive au même point. Bon, voilà, je me retrouve au même point qu'avant. Enfin, pas exactement, parce qu'en fait, fallait que je monte. Bon. Là, par contre, je fais petit tip, tant que j'arrive au point où on était avant. Donc, de nouveau, à tout de suite, pour qu'on ait large le temps de faire l'énigme. Donc, à tout de suite. Bon, re, voilà. Nous y voilà. Allez. Toi, il y a que deux trucs. Et voilà, bon, déjà un. On va se grouiller maintenant pour le deuxième. Et voilà. Test jusqu'à destruction. Un autre couloir temporel, et ce suit, comme il est étrange, il mène directement au TARDIS. Encore un mini-jeu? Vous devez atteindre le bout du couloir temporel pour accéder au TARDIS, en vous déplaçant d'une plateforme à l'autre. Trouvez une plateforme dans la prochaine série avant de se connecter à la vôtre. Une fois la plateforme connectée, vous n'avez que quelques instants pour sauter sur la suivante. Si vous touchez votre plateforme 3 fois, cette dernière sera détruite. Faites pivoter le couloir temporel situé devant, ouais. Appuyez sur la barre d'espace en sautant et déplacez le docteur avec les touches directionnelles. Waouh. Saute! Saute! Mais saute! Je veux pas sauter! Wow. C'est clair carrément. Et je suis mort. Je peux pas aller par là. Ok, je crois que j'ai compris, mais comment faire tourner ça? Ah si, je crois qu'ils avaient dit les touches E et tout, voilà. Ouais. Wow. Ah, c'est chaud en fait. Je n'ai jamais vu un couloir temporel comme celui-là. Tout est en flux, chaotique. Allez. C'est quand même chaud. Je suis pas dans la merde là. Si, je suis bloqué. Ah non, c'est bon. Ah, je suis tombé. C'est pas évident quand même en fait. Ah, c'est bien, j'atterris ici de nouveau. Alors, là. Je dois continuer à avancer. Ah,
Pas évident. Allez. Juste à temps. C'était chaud, franchement. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça manipule le temps d'une manière très étrange. Créer des couloirs temporels stables en plein Maelstrom n'est pas quelque chose de facile. Mais ces couloirs ont déjà servi. Ils nous ont ramenés jusqu'au TARDIS. Comment ça fonctionne? C'est comme être happé par un tourbillon. La seule issue est par le milieu. Exactement, mais pas exactement. Le tourbillon est grand comme l'univers et il n'y a pas d'issue. Ce truc, par contre, ce truc, c'est assez puissant pour traverser la tempête dans n'importe quelle direction. Il y en a encore d'autres. Trois autres. Et elles communiquent entre elles. Des harmoniques temporelles, elles tentent de se synchroniser. Des ondes qui fendent le temps et l'espace. Quatre d'entre elles qui jouent au tir à la corde avec le temps. Bon, nous voilà arrivés à la fin de l'épisode. Je suis à 52 minutes, plus encore les 19 minutes de l'autre partie. Du coup, je sais pas si ça sera le 3ème ou 4ème épisode, je verrai bien. J'espère en tout cas que cet épisode sera plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, mettre un j'aime. Liker, commenter ou vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde et à la prochaine pour un prochain épisode.